Salut tout le monde, c'est Axel Eponge 974. Je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 3 en mode domination sur la map Breach. Pour l'instant, ça a l'air de bien difficile. L'objectif pour l'instant, ce que j'aimerais, enfin, ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo, je vais pas jouer énormément d'objectifs pour quelle raison? C'est que pour l'instant, je ne maîtrise pas tout simplement la map. J'essaie de faire l'égoïsme, on va dire entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Parce que tout ce que j'ai envie, c'est de faire des kills. Bah, je vais essayer quand même de dominer le champ de bataille le plus longtemps possible. Je vais contourner le plus possible pour essayer de compresser les ennemis dans le middle, on va dire. Par contre, le Cerberus, là par exemple, là c'est pour ennemi. Si vous possédez invisible, bah voilà, le résultat, vous êtes complètement invisible sur l'écran de radar pour les séries de points terrestres, ce qui est une bonne chose. Mais par contre, c'est pas pareil quand c'est guidé, hein. À mon avis, les ennemis ou les alliés, quand ils guident les Cerberus, c'est pas autre chose. Donc, parce qu'on peut voir dans la caméra que, wow, par contre, lui, là, franchement, là, j'étais tout simplement à limite en train de rager, parce que le mec, je l'ai voyé en premier et voilà, j'ai tout l'avantage devant lui. Au final, il a réussi à m'avoir, mais c'est plus connexion. Par contre, toi, je vais pas te laisser. Wow, double kill, ça fait toujours plaisir. Ça double, mais pas un troisième. Donc là, je commence très très mal, hein, je l'avoue, je commence très très mal, mais je vais essayer quand même de rattraper mon score et finir bien, on va dire. Vu que ça fait on va dire, depuis la sortie, j'ai joué que deux, on va dire, le plus grand série que j'ai fait, c'était sur un match par équipe, je me rappelle bien, c'était 27 à 7. Donc pour moi, c'était pas énorme, mais là, je vais essayer quand même de maîtriser, comme je me répète depuis tout à l'heure. Je vais essayer de maîtriser le gameplay, parce que c'est pas évident. Il y en a qui jouent l'objectif, il y en a il y en a qui essaient de jouer l'objectif. Quand je spawn, évidemment, je vais pas partir comme un renard, hein, comme on dit. Dès que je vois un objectif, je fais quand même l'effort de venir sur l'objectif pour l'histoire que, voilà, je participe. Mais il y en a qui ont rien à foutre, quoi, qui s'en bat les bonbons, qui dit, bah, je me spawn, ça y est, pour moi, dans ma tête, c'est que il faut que je fasse le kill. Non, c'est même si vous faites les kills, les mecs, ça vous empêche pas de faire de faire un mauvais score. Par contre, là, je me rattrape, vous avez vu, je me rattrape, donc ça tombe bien que je me rattrape, parce que par contre, là, j'ai pris une balle de sniper. Heureusement que j'ai réussi à débloquer tous mes séries de points, c'est une bonne chose d'ailleurs. Donc on a perdu la bataille sur 98 à 100 pour le moment. Par contre, le snipe, lui, par contre, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a magouillé, mais avant qu'il tire, le mec, il est déjà mort. Je sais pas, il a fait une tour de magie ou un truc comme ça, mais enfin bref, ça, c'est des choses qui arrivent. Pour l'instant, le bug, on n'a toujours pas eu mise à jour. Quelque part, je comprends un peu, parce qu'il y a plusieurs consoles en ce moment sur Call of Duty Black Ops 3, il y a plusieurs consoles, c'est pas comme auparavant. Maintenant, on a Xbox 360, on a PS3, on a Xbox One, on a PS4 et tout ça, donc il faut savoir gérer déjà. Et enfin, là, j'ai cité le minimum, hein. C'est peut-être qu'il y en a encore d'autres que je connais pas.
Voilà, donc je comprends mieux qu'ils prennent le temps, moi. Enfin, j'espère que la mise à jour, ce sera une bonne chose, on va dire. J'espère que ce sera une bonne chose parce qu'avec tant d'attentes, déjà on attend un an pour la sortie du jeu. On était impatients, on faisait pas mal de pubs pour ce jeu. Au final, on se dit, ah, mais pour l'instant, on a comme si on n'attendait pour rien. Mais j'espère que dans la semaine à venir, ils vont faire sortir la première mise à jour sur PS3, enfin sur le Next Gen, parce que pour le moment, on n'en peut plus. Franchement, je suis obligé de jouer à d'autres jeux pour me divertir parce que je suis encore dégoûté de ce Black Ops 3. Mais bon, c'est pas forcément dégoûté, c'est que c'est quand lorsqu'on est impossible de jouer. Et du coup, ben, ça décourage, je sais pas, certains d'entre vous, c'est comme moi, mais du coup, ça me donne pas envie de prendre le jeu parce que je sais que ça va friser, je sais que ça va bugger et je sais que, voilà, etc., la totale, quoi. Donc, du coup, ça va pas me donner, ça me donne pas envie d'aller sur le jeu, tout simplement. Ça me donne pas envie. Donc, la plupart de mes amis, ils le savent. Ils le savent que pour l'instant, je suis pas du tout je geek pas à fond, quoi. Je geek pas à fond ce jeu. Mais au début, j'étais partant. Je sais pas, dans un mois ou deux, je retournais sur ce jeu. Mais pour l'instant, c'est mort. C'est mort parce que, voilà. Mais voilà, donc j'essaie de rattraper mon score, hein. Et là, par contre, je voudrais parler aussi des séries de points. Par contre, le foudroiement, Cerberus et tout ça, pour l'instant, je maîtrise pas trop. C'est pas du tout comme sur Black Ops 2, c'est pas aussi facile de les placer, quoi. C'est comme si on les place au hasard, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc, il faut être précis. Soit vous mettez au middle, si vous jouez en domination comme moi. Essayez de mettre sur B. Sur B, en général, il y a plus d'ennemis que sur C, par exemple. Par contre, lui, je sais pas comment il a fait, il était invincible. Mais bon, enfin, bref, c'est question d'habitude, on va dire. Pour l'instant, là, l'ennemi possède un... Par contre, là, je croyais faire le triple, mais au final, j'ai réussi d'avoir qu'un seul. Mais ce qui est pas mal, d'ailleurs, j'ai l'impression, ils avaient l'impression que, on va dire, qu'ils sortaient vers la gauche, mais non, j'étais plus malin. J'étais plus malin qu'eux, et du coup, je suis sorti vers la droite, donc j'ai réussi à avoir un ennemi. Bon, pour l'instant, on domine de deux points. Par contre, toi, t'es sorti de nulle part. Il est sorti de nulle part, quoi. Il était sorti de nulle part, donc du coup, j'ai pas eu le temps. Par contre, ce qui est primordial pour les gens qui adorent le fusil d'assaut, je vous conseille de mettre le poignard gros, comme je me répète souvent. Même si ça paraît inutile pour vous, un conseil quand même, prenez-le. Vous avez vu, j'ai eu largement le temps de viser l'ennemi. Donc, même si vous avez un petit décalage de connexion, à mon avis, ça vous aide énormément. Mais après, ça, si vous avez vraiment un sacré lag, donc c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence, mais essayez de mettre poignée argot, ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Là, j'arrête pas de tirer parce que je suis en charge avec grande cap, donc autant, je me dis autant tirer dans le tas comme une batteuse. là j'étais comme une batteuse, donc j'ai 42 balles et du coup, ça m'aide énormément à voir mes ennemis, surtout quand je suis en difficulté. On se fait rattraper, on se fait dépasser, donc du coup, on a maîtrisé entre les deux temps, mais là, on va finir, on va être dans la défaite, quoi.
qui est dommage. Wow. Par contre, c'est la première fois que j'ai réussi à faire les crosses, enfin à cutter avec le cross, quoi. Je sais pas si ça se dit ça comme ça, mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. Pour une fois que je rage pas sur ce jeu Black Ops 3, parce que d'habitude j'ai énormément de problèmes, quoi. Et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, de faire partager, et surtout j'attends beaucoup de votre commentaire, car pour moi c'est très très important, les commentaires, et puis votre question aussi pour faire les FAQ, pourquoi pas. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.